Nous en venons avec Sarah Proust à la prévention et la tranquillité publique. Merci Madame la Maire. Il s'agit d'abord d'une première délibération, la numéro 9. C'est une subvention de 6 000 euros ainsi qu'une convention avec l'Association de la protection civile de Paris, notamment pour le financement du loyer qui est, comme vous le savez, rue de Panama. J'en profite parce qu'on travaille beaucoup avec la protection civile. On les remercie jamais assez et on salue jamais assez le rôle de cette association qui, au-delà de l'aide aux victimes et du soutien aux victimes pendant les sinistres, fait aussi énormément de formations. Et toutes les formations au premier secours dispensées par la protection civile sont toujours des formations utiles et importantes. Et rappelons-le que notre soutien va aussi à cette organisation pour cela, donc dans les locaux du 13 rue de Panama, pour une subvention de 6 000 euros. Je fais la suivante aussi. Alors la suivante, c'est une délibération avec un certain nombre de subventions pour un montant de 18 500 euros. 15 associations sont ciblées dans cette délibération dans le cadre de la prévention de la délinquance dans les quartiers politiques de la ville. 3 concernent le 18e arrondissement. Une subvention de 1 000 euros pour l'association Ethnologue en Herbe. J'aimerais juste dire un mot de cette association, puisque c'est un projet spécifique sur la question des usages urbains et notamment de l'espace public. Et l'objet de cette association pour ce projet spécifique, c'est de travailler sur la question de la frontière entre le 18e et le 19e avec un certain nombre de jeunes. Donc c'est aussi, puisque on en avait beaucoup parlé l'année dernière, mais vous voyez que les dispositifs de prévention sur la question des RICS 18e, 19e continuent. Et donc c'est pour ça que le choix a été fait de soutenir cette association à hauteur de 1 000 euros. Il y a ensuite 1 000 euros pour l'association Hamza Graine de Boxeur Passage Ramet et une autre subvention de 1 000 euros pour l'association La Maison Bleue Porte Montmartre. Voilà, donc c'est une délibération plus importante sur l'ensemble de Paris pour 18 000 euros et 3 000 qui concerne le 18e arrondissement. Je vous remercie. Merci. Effectivement, deux aspects importants, tant la protection civile est systématiquement présente sur tous les événements que nous organisons, toujours avec beaucoup de vigilance, beaucoup de rigueur et beaucoup de disponibilité. Effectivement, il est important de les saluer. Et les 10 clubs de prévention dont vous avez bien souligné le rôle aussi. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Nous passons au vote pour la DPSP 9 qui est pour, unanimité. DPSP 10, même vote, unanimité.